Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. Je fais suite à la première étude sur la programmation divine de Estelle Mouzin, morte en avant. Maintenant, c'est une étude pour montrer et démontrer que celui qui a codé la première étude a bien codé l'endroit où elle a été enterrée. Donc malgré beaucoup de recherches, dans cet endroit, son corps n'a toujours pas été retrouvé. Parfait. Donc cet endroit s'appelle Ezoncourt et Rumel. Le code postal de cette ville, c'est celui-là, 08440. Observe, je pose la question simplement. Où est Estelle Mouzin? Où est Estelle Mouzin dans la langue des premiers sans les rangs? Dans la langue des premiers avec les rangs, comme j'ai fait pour Xavier Dupont de Légonès et Maya Sobhi, par exemple. La programmation divine de Oui Estelle Mouzin, comme j'ai fait lors de la première étude et dans toutes les études que je mène. Parfait, donc j'applique le Moubine, reste. Il est premier, il a comme rang 7, qui a comme rang 4. En entrée de jeu, observez bien, 44, moins 14, moins 4, moins 17, égale à 9, l'âge de la mort de Estelle Mouzin. Maintenant, je vous pose la question, la somme c'est quoi? La somme de ces nombres. Réfléchissez. Donc là, on se pose la question, elle est où? Donc là, il y a une rencontre entre elle et son assassin. Dans cet endroit, la réponse, c'est la rencontre entre elle et son assassin. Donc ici, c'est l'âge de sa mort à elle, n'est-ce pas? Ici, l'âge de sa mort à lui. Ça dépasse l'entendement. Quand j'ai vu ça, moi, ça m'a tué. Observez comment Allah a codé. Donc là, on se pose la question sur l'endroit. Et il n'y a pas mieux que déjà nous rappeler l'histoire. Lui, la mort. Elle, la mort. Et lui, la mort. Parfait. Maintenant, 44 moins 14 égale à 30. Et 17 plus 4. 17 plus 4 égale à 21. Et 17 moins 4 égale à 13. 13 est premier, il a comme rang 6. Observez. 114 moins 30 égale à 84. 21 plus 13 plus 6 égale à 40. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? 0, 84, 40. 84, 40. Le voilà. 84, 40. Et le code postal de la ville Ezoncourt et Rumel. Parfait. Maintenant, observez bien. 84 plus 40 plus 84 plus 7 plus 4 plus 13 plus 6. Donc, 84 plus 7 plus 7 plus 4 plus 13 plus 6. Ça veut dire les nombres premiers, les rangs. Ça fait la signature d'Allah. Toujours. Tous les chemins mènent à la commune Ezoncourt et Rumel. Observez. Donc là, l'intérieur des nombres. 84, rappelez-vous. Regardez comment Allah a codé. 84, 42, 11, 44. Lui, il est premier, il a comme rang. Donc c'est bon, lui, c'est isolé. Ok, est-ce que le 40 va apparaître? Somme sans les rangs. Somme avec les rangs. Donc là, nous avons la moitié du code. Est-ce que le 40 va apparaître? Observez. J'applique le Moubine. Reste. Il est premier. Somme avec. Il est premier. Ok. Somme avec. Parfait. Ici, j'ai 0. Quand j'ai 0, c'est que le nombre est divisible par le 23. Si tu le divises, il te donne 21. Ok. 82. Moins 9. L'âge de la mort. Moins 27 plus 0 plus 21 égale à 67. Ok, ces nombres ont formé 67. Pourquoi? 67 est un nombre premier qui a comme rang 19, qui a comme rang 8. 67 moins 19 moins 8 égale à 40. 84 et 40. Parfait. Maintenant, observez bien. 82 plus 9 plus 0 plus 21 plus 27. Ici, on a fait moins. Plus ce nombre très particulier, ce nombre tournant. Maintenant, regardez bien, on fait plus. Égal à 139. Nombre au premier qui a le rang 34. Ok, d'abord, 34 plus 40. Égal à 74. 114 moins 74 égale à 40. Encore une fois.
Et 40 plus 34 plus 40, comme par hasard, égale à 114. Et 139 plus 34 égale à 173, c'est un nombre premier qui a comme rang 40. Tu veux le voir? Le 173 est un nombre premier qui a comme rang 40. Je le mets en jaune. Phénoménal, non? Ça dépasse l'entendement. Donc le 84, c'est isolé ici, c'est imposé en entrée de jeu. Allah a codé la réponse directement. Et le 40 confirme à merveille. Pourquoi tu n'as pas pris en compte le nombre premier 97? Donc c'était où? Ici. Donc rappelez-vous ici ce qu'on a fait. On est arrivé ici, on avait appliqué El Moubine. Maintenant on va prendre en compte ce nombre premier. Observez. Il a comme rang 25. Ok. Somme sans, somme avec. Ici nous avons 0. Ça veut dire que ce nombre est divisible par le 23. Si tu le divises, il te donne 10. Oui, 10 plus. Fois 23, il te donne 230. Ok. 91 plus 21 plus 2 plus 0, la ligne principale, donne la signature d'Allah. Parfait. 91 moins 21 égale à 70. 10 moins 0 moins 2 moins 1 égale à 7. Ok. Observez bien la puissance d'Allah. 70 plus 7 plus 4 plus 2 plus 1, le seul nombre premier sans rang, égale à 84. À perfection. Et 70 plus 4 égale à 74. 114 moins 74 égale à 40. 84, 40, le fameux code de Isancourt et Rummel. Maintenant, la programmation divine de Houé Estelle Mouzin encore. Donc observez, somme sans les rangs, somme avec les rangs. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, somme sans, somme avec, ok. Somme sans, somme avec. Il est premier, il a comme rang 43, qui a comme rang 14. Somme sans, somme avec, ok. Et on arrive ici. 18 plus 15 plus 75 plus 3 plus 2 plus 1. Phénoménal. Ok. 18 moins 15, 3. 75 moins 3 moins 2 moins 1, 69. Lui, il est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Parfait. Observez. 75 plus 3 plus 2 plus 1 plus 3, il y en a 84. Ok. Et 69 moins 3 moins 2 moins 1, 69 moins 3 moins 2 moins 1, il y en a 63. 63, vous le connaissez. C'est un nombre qui pointe vers la mort. Je le divise par le 23, ça donne 17, qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. 63 plus 17 plus 7 plus 4, il y en a 91. 114 moins 91, égale à 23. 63, le nombre déclencheur, moins 23 égale à 40. 84, 40, le code postal de la ville Isancourt et Rummel. Maintenant, on se pose la question sur la ville elle-même, Isancourt et Rummel. Voilà, là voilà, Isancourt et Rummel sans les rangs, et Isancourt et Rummel avec les rangs. Parfait. La programmation divine de Isancourt et Rummel, est-ce que Allah a codé le code que les humains lui ont donné à l'intérieur de son nom? Observez. Somme, somme. 76, le voilà. 64, le voilà. 10, le voilà. 34, le voilà. La somme est 184. J'applique le moubine. Reste, pas de reste. Quand il n'y a pas de reste, c'est que le nombre est divisible. Quand tu le divises, ça te donne 8. 70 plus 0 plus 8 égale à 78. Parfait. Maintenant, 76, ici, c'est moins. Et ici, c'est moins. Parfait. 76 moins 64 égale à 12. Et 34 moins 10 égale à 24. 24 plus 12 égale à 36. 78 plus 36 égale à 114. Parfait. Maintenant, 70 moins 0 moins 8. 70 moins 0 moins 8. On ne l'a pas encore fait. Égale à 62. Et 24 moins 12. On ne l'a pas encore fait. On a fait plus. Égale à 12. Parfait. 114 moins 62 égale à 52. Ok. 62 moins 52 égale à 10. Observez. 62 plus 10 plus 12 égale à 84. À la perfection. Et 62 plus 12 égale à 74. 114 moins 74 égale à 40. 84, 40. Et le code postal de la ville Isancourt. Regardez comment Allah l'a codé.
je sais que ça dépasse l'entendement. Ça dépasse la totalité des entendements. Et ce n'est pas qu'une seule approche. Quelle que soit l'approche, tu multiplies lui par lui, par lui, par lui, obligatoirement tu te trouveras nez à nez avec lui et avec lui. Tous les chemins mènent au code de la ville de Isoncourt et Rumel. Observez. Observez bien, s'il vous plaît. 64 plus 10. Donc, dommage, j'avais pas pris le... Voilà, donc 64 plus 10, voilà. Donc l'intérieur, 64 plus 10, égale à 74. Et 10 plus 34. Observez. 10 plus 34 égale à 44. 74 moins 44 égale à 30. 114 moins 30 égale à 84. Et 114 moins 74 égale à 40. 84, 40 est le code postal de la ville Isoncourt et Rumel. La programmation divine maintenant de où est Estelle Mouzin et de Isoncourt et Rumel. Donc où est, pour moi, la réponse est la ville. Elle est dans la ville, elle est ici. Donc, somme. J'applique Elmobine, reste. Il est premier, il a comme rang 8. Ok. 10 plus 19 plus 12 plus 16, la ligne principale, égale à 57. 19 moins 8 égale à 9. 19 moins 10 égale à 9. 16 moins 12 égale à 4. 9 plus 4 égale à 13. 13 est premier, il a comme rang 6. 13 plus 6 égale à 19. 57 plus 19 plus le rang, c'est un nombre premier qui a comme rang 8. 57 plus 19 plus 8 égale à 84, comme par hasard. Maintenant, le plus grand moins le plus petit. 19 plus 8 moins 10, on ne l'a pas encore fait, égale à 17. Et le plus grand moins le plus petit, 16 moins 12 égale à 4. 17 est premier, il a comme rang 7 qui a comme rang 4. Ok. Observez bien. Donc le fameux 8, donc cela, plus le rang, observez bien, égale à 40. Donc cela, 32, plus ce dernier rang, qui a fait le travail avec pour former le 84, donc il a participé pour former aussi le 40. Le code postal de la ville Isoncourt. Donc, selon mon interprétation de la science de la programmation divine, cette petite princesse est enterrée ici. Et je pourrais lancer la même étude pour savoir il est enterré où. Et on sait où il est enterré. Là, je ne le sais pas, mais si je pose la question, on pourra le retrouver. Et vous allez voir que le même pointage se fera sur lui. Et n'importe quelle personne, de toute façon, si je pose la question... Pour n'importe quelle personne, les nombres vont pointer que vers l'endroit où elle a été enterrée. D'accord ? Donc si vous pouvez envoyer ça au papa et à la famille de Estelle, je vous serai très reconnaissant. Qu'Allah nous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.